La crise syrienne a causé la plus grande crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est une crise humanitaire d'une ampleur jamais vue. En train, en bateau, à pied, c'est plus de 4 millions de personnes qui sont jetées sur les routes de l'exil à la recherche d'une nouvelle vie, mais surtout d'une porte d'entrée vers l'Europe, la terre promise. La route principale empruntée par les migrants passe, entre autres, par la Méditerranée. Les migrants traversent la Turquie pour ensuite tenter de relier par la mer une des îles grecques et ainsi entrer dans l'Union européenne. Ils poursuivent ensuite leur route à travers les Balkans. Ils vont traverser plusieurs pays de transit dans l'espoir d'atteindre les pays européens les plus prisés, comme l'Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni. Les obstacles et les dangers sont présents partout. Passeurs criminels, frontières fermées, murs de protection. Des mesures qui n'empêchent toutefois pas des milliers de personnes de tenter de fuir chaque jour un pays déchiré par une guerre civile interminable.